Et salut à tous et à toutes les amis, c'est Artiman, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui on va parler d'actualité NBA. Donc comme vous le savez peut-être, hier soir on a eu une annonce du côté des Bulls qui ont recruté leur nouveau head coach, Billy Donovan. Alors pour ceux qui débarquent un peu, Billy Donovan c'était l'ancien coach maintenant de Oklahoma City. En effet il a fait 5 années en tant que head coach au Thunder, c'était ses 5 premières années en tant que coach d'ailleurs. Donc là, c'est la première fois qu'il va dans une nouvelle équipe. Cette année, vous avez peut-être entendu parler de Billy Donovan, de par la saison exceptionnelle qu'a fait Oklahoma City. Voilà, c'était une équipe qu'on voyait plutôt tanker et qui a récupéré beaucoup de choix de draft. Donc on ne disait pas que ça allait être une équipe qui allait pouvoir jouer les premiers rôles cette année. Et finalement, ils se sont qualifiés en playoff et ils ont réussi à faire une très bonne impression face aux Rockets puisqu'ils ont perdu en 7 matchs. Donc vraiment une très bonne saison de la part du Thunder et ça lui a valu d'ailleurs le titre de co-coach de l'année à égalité avec Mike Budenholzer. Donc là on parle vraiment d'un client en termes de coaching. Donc le bilan cette année de Donovan c'est une équipe d'OKC, plein de jeunes, plein de potentiel, avec voilà, pas vraiment d'objectifs mais plutôt un collectif à construire puisqu'il y a eu beaucoup de trades autour de cette équipe avec le départ de Westbrook, etc. Heureusement, il a eu son leader Chris Paul qui a réussi à prendre en main tous ces jeunes, etc. Finalement, cette année, on a un bilan de 44 victoires pour 28 défaites, ce qui est absolument excellent par rapport à ce qu'on prévoyait au début de l'année. Je crois que ça finit 5e de la conférence Ouest, donc vraiment la conférence bien dure à aller chercher. Donc il faut savoir, Billy Donovan, depuis qu'il est au Thunder, il a une préférence évidente pour les meneurs. On a vu Westbrook, son éclosion au Thunder, comme quoi il avait tous les ballons, etc. Et même cette année, Chris Paul, qui après son trade a dû se retrouver dans cette équipe de Oklahoma City, il a réussi à retrouver son meilleur niveau, alors qu'aux Rockets, on le voyait déjà peut-être un peu cramé, et on voyait son contrat comme un contrat toxique, alors que maintenant, aujourd'hui, bon voilà, on se dit juste que son contrat est peut-être un peu cher, mais voilà, sans plus. Finalement, Billy Donovan, il va chez les Bulls. Une équipe qui avait renvoyé son coach Jim Boylan qui n'avait convaincu personne l'année dernière. Alors qu'est-ce que je pense de ce transfert? Et ben pour moi quand vous avez une équipe à développer avec plein de jeunes, Billy Donovan ne peut être qu'une bonne solution. On sait que ça a été un des meilleurs coachs lorsqu'il était en NCAA et même à Oklahoma City avec tous les tours de draft qui étaient incroyablement bien choisis par le front office, certes. Il a quand même réussi à développer des joueurs de manière incroyable, comme je dirais pas Kevin Durant, puisqu'il y a 5 ans il était déjà chaud, mais Russell Westbrook, voilà, il a permis de le faire passer à un niveau de MVP. Et plein d'autres joueurs qui ont su se révéler sous Billy Donovan. Voilà, ça n'a pas toujours été considéré comme le meilleur coach de l'histoire, mais c'est clair que lorsque tu lui donnes des jeunes, il est capable de les développer. Le seul problème, c'est que ça bug un peu quand il faut gagner. Et c'est pour ça que Oklahoma City a pas mal de choke ces 2 dernières années lorsqu'il y avait Westbrook en meneur. Bon, cette année, on peut pas dire vraiment qu'ils ont choke parce qu'on les attendait déjà pas à ce niveau-là et ils ont poussé en 7 matchs les Rockets. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, quand t'es les Bulls, t'as plein de jeunes joueurs, dont Coby White qui est un meneur. Donc il pourra bien se développer avec Billy Donovan a priori. Et d'une manière générale, les Bulls, c'est une équipe en construction. Je dirais même pas en reconstruction, c'est vraiment une équipe qui se cherche, qui a besoin de trouver un style de jeu, qui a besoin de trouver un leader. Ouais, ça manque de hiérarchie. On sait qu'on a Zach LaVine tout en haut, mais même Zach LaVine, je suis pas sûr qu'il ait atteint son plus haut potentiel. Déjà, il n'a même pas été All-Star une fois, alors que il est capable de faire des merveilles. Donc voilà, ça peut être un bon plan pour les Bulls, en attendant de trouver un coach capable de gagner, en attendant de créer une équipe capable de gagner aussi, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que Billy Donovan peut apporter au jeu? Eh ben, plus de collectif, il sera capable de donner les clés du camion à un joueur, donc peut-être Zach LaVine, peut-être un autre joueur qui se révélera. Billy Donovan, c'est pas un mec qui a peur de mettre des jeunes joueurs, des joueurs qui n'ont rien prouvé, il est capable de les aligner s'il sent qu'ils sont capables. Il donne la confiance à ses joueurs. Bref, enfin, en vrai, c'est un très bon coach, même s'il a été beaucoup décrié. Cette année, c'était un peu sa résurrection, donc c'est aussi l'occasion pour lui de trouver une nouvelle équipe qui s'inscrit plus dans son projet, dans sa vision des choses. C'est vrai qu'à Oklahoma City, voilà,
Souvent, on s'est dit, ouais, qu'est-ce qu'ils font le front office? Pourquoi est-ce qu'ils gardent Billy Donovan? Ils auraient dû le virer, etc. Bon, là, cette année, il a fait l'unanimité, donc il faut peut-être profiter de cette vague, de cet engouement autour de son profil pour aller le chercher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant du côté d'OKC? Eh ben, on a plein de tours de draft, donc plein de joueurs à développer. On a toujours Chris Paul qui est capable de faire, comme on dit, il est capable de faire coach-joueur en même temps. C'est vrai que quand t'as Chris Paul dans ton vestiaire, eh ben, t'es pas obligé d'être un coach très, très méchant, on va dire. Sinon, il y a pas mal de candidats quand même sur le marché. Bah, donc Kenny Atkinson, voilà, je sais même pas comment ça se fait qu'il a pas trouvé un poste depuis le temps. Kenny Atkinson, c'est pareil, hein, si tu lui donnes des jeunes, des tours de draft, il est capable grave de les rendre hyper forts, comme il a fait avec les Nets. Ou sinon, Dave Yorger, qui est resté sur une saison magnifique du côté des Kings. Mais qui n'a pas retrouvé de taf depuis. Et c'est vrai qu'il faut noter que depuis qu'il est parti des Kings, cette équipe est en train de couler clairement. Donc voilà, Atkinson ou Yorger, ce serait un choix raisonnable. En plus, pour un petit marché, c'est grave le genre de coach qui peut les rejoindre. Voilà, OKC, okay, ça va pas être une équipe en recherche de grands noms, etc. Du genre, je sais pas, Tyronn Lue. Bon, ça me tue cette rumeur à chaque fois. Donc voilà, je pense que c'est plausible de retrouver un de ces deux coachs. Et après, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir laissé Billy Donovan partir. D'ailleurs, je sais même pas si c'est OKC qui a laissé partir le coach ou si c'est lui-même qui, de son plein gré, a décidé de partir. Bon, en tout cas, je pense que pour Billy, ça peut être une bonne chose, ça peut être une nouvelle aventure. Pour OKC, ils s'en remettront tranquillement. De toute façon, ils ont pris le temps, je pense, avec tout le marasme qu'il y a eu la saison dernière avec tous leurs trades, leurs choix de draft, etc. Voilà, bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce transfert de coach. Qui vous verrait bien à la tête de OKC? Est-ce que Billy Donovan va faire de Coby White un MVP? Et dites-moi aussi si ça vous plaît ce petit format, sachant que maintenant, voilà, je vais peut-être parler un peu plus de NBA, un peu plus de foot, sans forcément écrire un long texte, etc. Bref, faire du podcast, tout simplement. Bon, c'était Artiman, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, bisous, bye.